We have lots to talk about today, so let's get right to it. We're at a tipping point in this pandemic. Not only is the second wave underway, yesterday we hit the highest daily recorded cases, well above what we saw this spring. I know this is discouraging, especially going into Thanksgiving weekend. But remember this, when things were at their bleakest during the first wave, Canadians pulled together and flattened the curve. Every time you wear a mask, every time you stay home when going out is unnecessary, every time you help a friend download the COVID Alert app, you are part of the solution. We flattened the curve before, we can do it again. And now we have even more tools to help us. On Tuesday, Minister Anand and Minister Haidu announced that the government has signed an agreement with Abbott Rapid Diagnostics for up to 20.5 million rapid tests. The COVID Alert app is up and running in 8 out of 10 provinces, now including PEI, and has been downloaded more than 4 million times. The more people use the app, the more powerful this tool will become. It's another way for each of us to do our part to protect our loved ones, our neighbours, and our fellow Canadians. Les augmentations de nouveaux cas exercent une énorme pression sur les hôpitaux et sur les travailleurs de la santé qui sont de plus en plus débordés. Ensemble, on a réussi à aplatir la courbe au printemps et on est capable de le faire à nouveau. D'autant plus que maintenant, on a encore plus d'outils à notre disposition. Mardi, la ministre Anand et la ministre Haidu ont annoncé une entente qui va nous permettre de nous procurer jusqu'à 20,5 millions de tests de dépistage rapide. De plus, 8 provinces sur 10, dont le Québec et l'île du Prince-Édouard, adhèrent maintenant à l'application gratuite Alerte COVID qui a été téléchargée plus de 4 millions de fois au pays. Plus il y a de gens qui s'en servent, plus l'outil sera efficace. C'est une façon pour nous tous de protéger nos proches, nos voisins et nos travailleurs de première ligne. Alors, je vous invite donc à télécharger l'application gratuitement dès maintenant. Our top priority is keeping Canadians safe as we support people through this storm. This morning, we received the news that 378,000 jobs were added to the economy in September as the unemployment rate continues to go down. This is good news for a lot of people, but we also know that there's still lots more work to be done. Earlier this week, Canadians could begin accessing the Canada Recovery Sickness Benefit and the Canada Recovery Caregiving Benefit for people who are not covered at work if they get COVID-19 or if a family member gets sick. Next week, applications will also open for the Canada Recovery Benefit, which is replacing CERB for those who can't access EI. At the same time, we're also looking at how else we can support businesses, as we outlined in the throne speech. Today, we are announcing new support for Canadian businesses so that they can keep workers on the job and get through the coming months. Deputy Prime Minister Freeland will provide more details, but here's the bottom line. Even if many businesses have now reopened, most are not back to full capacity, while many others are facing the uncertainty of a second wave. Our goal is to support Canadian employers and help businesses bridge to better times. That's why we are updating support for commercial rent and mortgage payments with the new Canada Emergency Rent Subsidy. This will provide support to businesses directly, not through landlords. For businesses who've seen a revenue drop, the new rent subsidy can support up to 65% of eligible expenses and up to 90% for businesses temporarily shut down by a mandatory second wave public health order. At the same time, we are extending the wage subsidy at a rate of up to 65% of eligible wages to December and expanding the Canada Emergency Business Account for those small businesses that need it, including with an additional $10,000 forgivable loan. We'll also work to target financial support directly to businesses that have temporarily shut down as a result of local public health directions. We know this second wave
will be even harder for those who get hit. That's why our response needs to be targeted and effective. Small and large businesses create jobs, drive our economy, and make our communities stronger. Our government will continue to do whatever it takes to support them. Comme on l'a mentionné lors du discours du trône, notre gouvernement va continuer de soutenir les entreprises qui vivent des difficultés pendant cette crise. Ce matin, on a appris que 378 000 emplois ont été ajoutés à l'économie en septembre et que le taux de chômage continue à baisser. C'est une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Même si beaucoup d'entreprises sont ouvertes à nouveau, la plupart ne fonctionnent pas encore à plein régime et d'autres s'inquiètent face à l'incertitude engendrée par la deuxième vague. Voilà pourquoi nous ajustons l'aide au loyer commercial en créant la nouvelle subvention d'urgence du Canada pour le loyer. Ce soutien ira directement aux entreprises qui ont perdu des revenus en raison de la crise. La subvention pourra atteindre jusqu'à 65 % des dépenses éligibles et 90 % pour les entreprises qui doivent être fermées temporairement suite à des décisions des autorités locales de la santé publique. Nous prolongeons aussi la subvention salariale, allant jusqu'à 65 % des salaires éligibles jusqu'à décembre, et le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, entre autres, en ajoutant 10 000 $ de prêts à remboursement conditionnel pour des petites entreprises qui en ont besoin. Nous prévoyons du soutien financier ciblé pour venir en aide aux entreprises qui doivent fermer leurs portes temporairement pour combattre les éclosions. Nous savons que la deuxième vague sera encore plus difficile pour ceux qui seront touchés. Notre réponse se doit d'être ciblée et efficace. Pour plusieurs, l'Action de grâce est un moment de partager un bon repas entre famille et amis. Même si cette tradition est ébranlée cette année, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des Canadiens qui vivent en situation d'insécurité alimentaire sérieuse. Cette triste réalité a été accentuée par la pandémie. En avril, nous avions annoncé un investissement de 100 millions de $ afin d'améliorer l'accès aux aliments pour les Canadiens les plus démunis. Aujourd'hui, j'annonce que nous verserons 100 millions de $ supplémentaires à des organismes nationaux, régionaux et locaux qui viennent en aide à ceux qui ne mangent pas à leur faim. Ce montant sera versé par l'intermédiaire du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire du gouvernement du Canada, et la ministre Bibeau va pouvoir fournir de plus amples détails dans quelques instants. Ce matin, je me suis rendu à l'épicerie afin d'acheter des aliments pour les remettre à une banque alimentaire, et on m'a rappelé quelques astuces pour ceux qui veulent faire des dons, et je sais que vous êtes nombreux à penser aux autres cette fin de semaine de l'Action de grâce. Prioriser les aliments non périssables comme des conserves. Les aliments à préparer au four à micro-ondes sont plus faciles d'accès pour les gens qui n'ont pas de four. Et n'oubliez pas de faire des choix santé. Notre gouvernement continuera de soutenir les Canadiens pendant cette crise, surtout les plus vulnérables qui sont le plus durement touchés, mais j'encourage tout le monde de faire sa part. In April, we invested $100 million in emergency funding to help food banks and community organizations with their vital work. Today, I can announce that we're putting another $100 million towards supporting food banks, local food security organizations, Indigenous groups serving vulnerable people and communities, and partners for northern communities. Last night, I had a video call with Food Banks Canada, and got to hear from incredible volunteers and staff from right across the country. They do remarkable work supporting vulnerable Canadians every day, and that includes this Thanksgiving weekend. No one should be left behind, regardless of where they live. In July, when we finalized the Safe Restart Agreement, the federal government and the First Ministers recognized that smaller jurisdictions face distinct challenges and circumstances. Today, I can announce that additional top-up funds of over $37 million will be included in the first payments to the territories under this agreement.
A supplemental $41.4 million will also go towards air carriers to ensure essential air services to remote communities in the north. Minister LeBlanc will have more details in a few minutes, but I want to especially thank MPs Larry Bagnall and Michael McLeod and our Minister of Northern Affairs, Dan Van Dahl, for their leadership and their important work on supporting our northern communities. Je sais que la longue fin de semaine arrive et que plusieurs sont déçus de ne pas pouvoir se rassembler. L'action de grâce telle qu'on la connaît sera peut-être différente, mais on s'engage ensemble à faire tous les efforts possibles pour freiner la propagation du virus au cours des prochaines semaines pour que nous puissions peut-être se reprendre à Noël en personne avec ceux qu'on aime. Chaque fois que vous portez un masque, que vous restiez à la maison quand ce n'est pas nécessaire de sortir, que vous dites à un ami de télécharger l'application Alerte COVID, vous faites partie de la solution. Our Thanksgiving traditions may be temporarily changed by this pandemic, but our resilience and our determination remain strong. What we do now will shape the numbers we see in 2 weeks and set us, hopefully, on the right track for family gatherings at Christmas. So let's work together and let's flatten the curve.